Allô, monsieur Burker, je ne suis pas du tout contente. J'ai acheté 2 steaks hachés aujourd'hui, ils sont complètement pourris. C'est ce qui m'est arrivé un jour alors que j'étais en train de déjeuner confortablement à la maison. Et cette cliente était folle furieuse. Alors je lui ai dit, écoutez madame, je vais tout de suite venir vous voir, on va tout de suite solutionner le problème, je veux vous aider. J'ai pris ma voiture, je suis allé chez la cliente qui m'a montré un steak haché qui était complètement pourri et qu'elle venait d'acheter le jour même. C'est tout à fait scandaleux, c'est tout à fait anormal. Je lui ai dit que je n'étais pas content, qu'elle avait raison d'être en colère et que je ferais tout pour lui faire plaisir, non seulement de la rembourser, bien évidemment, c'est le minimum, et puis lui faire un cadeau. Et cette cliente m'a répondu un truc incroyable que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, monsieur Burkard, vous êtes tellement gentil, si j'avais su, je n'aurais pas appelé la police comme je le fais à chaque fois, puisque à chaque fois que j'ai un problème, ou bien j'appelle la police, ou bien j'appelle le service des fraudes. Eh oui, quand vous avez la chance d'avoir un client qui se plaint directement à vous, il vous donne une chance de pouvoir non seulement solutionner le problème, mais d'éviter d'avoir d'autres problèmes avec, par exemple, les administrations. C'est important que les clients sachent qu'ils peuvent vous contacter directement. Et c'est pour ça que c'est important, si vous dirigez une entreprise, de laisser votre porte ouverte, parce que quelquefois, les clients veulent vous contacter directement, et puis dans l'entreprise, on fait un blocage parce qu'il ne faut pas déranger le patron pour rien. Or, le client, ça n'est pas rien, puisque c'est votre raison d'être quand vous avez une entreprise. Quand vous avez un client qui se plaint, solutionnez le problème immédiatement et faites tout pour faire plaisir à votre client. C'est comme ça que vous multiplierez vos clients et c'est comme ça que votre entreprise grandira et prospérera. J'espère que cette idée vous sera utile. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi la partager ou en regarder d'autres par ici. À bientôt!